Je m'appelle Juan Munoz et je me présente pour Lutte ouvrière dans la troisième circonscription du Val d'Oise qui réunit des villes comme Herblay, Cormeilles-en-Parisis, Beauchamp. Je suis arrivé en France en 1962 à l'âge de 5 ans. Mon grand-père était réfugié politique, anarchiste. Il avait fui la dictature de Franco. Il s'est retrouvé dans les camps du sud de la France. C'est lui qui a embauché mon père dans l'usine où il travaillait, et il l'a fait embaucher comme OS à la chaîne. Ma mère était femme de ménage. Je suis d'une famille ouvrière et je me suis fait embaucher à la Stenkma Gennevilliers en 1979 comme ajusteur. Aujourd'hui, je suis retraité. Ce qui m'a le plus marqué de mes 35 ans d'usine, c'est la grève de 1988. On réclamait à l'époque 1 500 francs pour tous. C'est là que j'ai découvert la solidarité ouvrière, quelles que soient nos origines. C'est là que j'ai découvert la force que nous représentions, la peur que nous pouvions de provoquer chez les tauliers du groupe. Dans cette grève, toutes les décisions et initiatives d'extension de la grève se prenaient en AG. Aujourd'hui, le combat est toujours à mener. Les prix explosent, le chômage augmente. Safran a utilisé la pandémie pour diminuer les effectifs. On est passé à Gennevilliers de 1600 travailleurs avant la pandémie à 1238 aujourd'hui. Alors pendant ces élections, voter pour ma candidature, voter pour Lutte ouvrière, c'est exprimer sa colère, sa volonté d'en finir avec une société capitaliste qui étrangle les plus pauvres.